Et donc, tout le monde de jeu ne me laisse pas le temps de faire ce que je veux, c'est très agréable. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Battlefield Hardline. Ah oui, en même temps, elle a pris une balle dans l'épaule, je sais pas si t'as vu le truc, mais ça puissait un peu le sang. Et en plus, toi, des fois, tu t'amusais à regarder sans appuyer. Je fais, mais appuie! Et en fait, c'était cinématique, je pouvais pas... Oh. Blablabla. Voir la conclusion pour avancer. Oh. Ouais, non, je veux pas. Oui, ça, comment dire... J'ai vraiment aucune arme. Oh, c'est triste. Je pouvais juste rien faire, en fait, c'était une cinématique, du coup... Ah, ça, c'est mieux, ça, c'est du bon, là. Niveau 10, ouais, c'est les accessoires niveau 10 après, ok. Bon, c'est parti. Oh, fais chier. Ouais, compris. Encore deux corps repêchés dans la baie de Manatee. Tu devrais les utiliser, comme bruit. Mendoza, j'aimerais vous voir une minute. Oh, chaud devant messieurs dames, jeune inspecteur pressé. Guy. L'inspecteur Dao reprend du service aujourd'hui, contre l'avis de son médecin, mais avec mon accord. Ça va? J'ai arrêté le baseball, mais ça va bien. Mendoza, la coke que Stoddard et vous avez saisi vient de Colombie, en passant par la mer. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Tout passe par le Mexique désormais. Et Tyson Latchford. C'est pour ça qu'on va... We're gonna build Monsieur the Latchford, wall. Contre toute attente, a un excellent représentant juridique. Venez. Voici les hauts raies, surnommé Stingray, grossiste du cartel. Hier, il a appelé mon bureau. Il dit détenir des informations à propos de la guerre, de la drogue qui déchire Miami en ce moment. Alors, il faut faire venir Léo? Mais en toute discrétion. Le seul à être au courant de tout ça, c'est moi. On ne sera pas plus en sécurité ici qu'on ne le serait dans la rue. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Bien, alors à vous de jouer. C'est que le truc, ils ont transformé la baraque en passoire, mais laisse tomber, quoi. Porte, mur, fenêtre, rien du tout. Tu crois que Dawes a raison, cette histoire de rythme? Je crois que si Dawes est inquiet, on devrait l'être aussi. Si on veut. Des flics véreux. Je pige pas. Tu piges pas? Sérieux? Bon, d'accord, on se crève au boulot et on est payé de la merde. Ouais, mais à part ça, c'est la vie de la chat. Voilà notre homme. Ok, tu restes près de la caisse et tu me couvres. Honnêtement, ça m'étonnerait pas que... qu'une vidéo qui soit coupée à cause de ça. De la voiture. La musique. Des gorilles, Léo? C'est pas malin, ça. C'est qui, lui? Je l'ai trouvé qui allait au zoo. Il aime les espèces en voie de disparition. Non, mais c'est quoi, cette gonzesse? J'avais demandé Dawes. Et Dawes nous envoie. Le prochain coup de fil, ça a intérêt à être pour me dire où et quand on va pouvoir discuter comme on était censé le faire. Je viens pas servir de larbin à des cons de flics pourris. Il me faut une vraie protection. J'ai raté le match. On y va. T'as qu'à me laisser ça. Doucement, ma petite dame. Hé hey, il paraît que t'as serré Tyson Latchford. Il y avait du passif entre vous deux. Quel genre de personne ferait ça? Garde tes discours pour Dawes. Stinger, qu'est-ce qu'on fait? Va dire à ton boss que je lui servais tout sur un bateau et que t'as tout foutu en l'air. File-moi le sac, Léo. Ou je descends ce type. Léo, bon Dieu. Nick, oh. What? Guy, c'est qui ces mecs, bordel? Des gens qui savent que Léo a fait. On prend pas la bagnole? Ah oui, on y va à pied pour le poursuivre. Ah, ok.
Mais heureusement qu'ils ne savent pas viser, ils ont touché le mec au fond et pas devant. C'est fou ça. T'as aucune chance de t'en tirer, Léo. Les mains en l'air. Bien en vue. Allez. Hé, t'es taré ou quoi? Je m'occupe de celui-là. Vous êtes mort, Léo. Du coup, en fait, il suffit juste de d'enchaîner les éliminations globalement et on risque rien. En fait. T'inquiète. Oups. L'attaque est suspecte. Ok. Là, il y a eu un problème. Je répète, 13 et là, j'ai raté. Putain, non, je vais reprendre celui-là parce que je vais pouvoir enchaîner un peu plus les tirs en vrai. Non, j'ai raté, pour le coup, j'ai pas fait exprès, mais normalement, c'était pas censé lui mettre un coup de matraque. Mais... Ah. Ah si, salon. C'est qui ces mecs, bordel? Putain, si tu meurs, sans déconner à cette vitesse... T'as aucune chance de t'en tirer, Léo! On bouge plus! T'es en dé... Oh, je m'occupe de l'eau! Vous êtes mort, Léo! Touché. Quand on parle aux filles, on a ce qu'on mérite! Mort, je vous servirai à rien! Une équipe en grève! Mais on va arrêter! 13 portes d'assaut! Léo, reste dans la porte! 13, il y a une chance de tirer! Ils vont se réveiller! Aou! C'est quoi le plus vert? C'est je me fais soigner quoi, c'est ça? Ah! Enfin quelque chose d'un peu mieux! Avec 3 balles bien dures, bien sûr! Ils ont tous des G17, c'est triste, putain! Du coup, c'est même. Oh, mais c'est même pas un G18! Du coup, je suis con, ça tire même pas en auto, mais non! Je suis là pour t'aider! Ouh! Faut regarder la poignée de ses pour ouvrir. Triste. Léo, putain, arrête de courir! Léo, putain! Putain, Léo! Mec, il y en a d'autres qui rappliquent! Ouais, je vois, Kai. Ok. Léo n'a pas traversé la piscine, donc il doit pas être loin. Il y a eu quoi dans le garage? Arrange. Hé Léo, en sérieux, tu fais perdre mon temps. Mec, je veux juste discuter. Ouais, ils m'ont cramé comme ça, je crois. Bien tenté, Léo. Bouge pas de là! Personne t'en veut, Léo. Personne t'en veut. Ouais, y'a juste toi, l'entièreté de notre gang qui veut te buter maintenant, Léo. Mais t'as que ce que tu mérites, Léo. Les mains en l'air! T'es rendu cadavre! Là, allez. Touché. Je pense que je vais essayer de faire de moins en moins d'arrestations parce que c'est long, c'est un peu plus long. C'est rien que l'animation et tout, c'est long, etc. Donc, je pense honnêtement j'essaierai d'arrêter que les gens, on va dire entre guillemets, importants. Parce que sinon ça va en vrai. Voilà. On peut s'en passer sinon. Ah mais dis-moi ce que tu faisais avec un Mac 10. Non par contre je veux ça là. Le voilà. Ah oui c'est vrai. Oh putain j'oublie ce détail en vrai. C'est... Ouais on peut pas changer un peu comme à... Pas à la Call of en fait c'est vrai. D'accord j'ai appuyé au moins 6 fois sur la touche là sans que ça tire du coup. Je me suis un peu demandé ce qui passait. Ah, du coup on va pouvoir récupérer un Mac 10, et eh oui. Y a pas de... Non après non, c'est pas méga intéressant. Ça c'est pareil, il me faut une autre arme que le pompe là, c'est terrible. Bon non, on aura un d'autre alors. Quoi, il y a que 16 balles dans un truc comme ça?
D'accord. Du coup, il est parti où, Léo? Non mais vraiment, c'est où la suite? C'est là? Ok, je l'ai passé, ça doit être sur les... C'est où? Ok, d'accord, ouais. Par là-bas. Mais non, c'est là où on vient. Mais... Oh, je suis débile. Reviens, Léo! Léo, reviens! T'as eu Léo? Il est plus rapide qu'il en a l'air. Cet hôtel doit avoir une salle de surveillance. Je vais le chercher avec les caméras. Mais arrête-toi! Okay. Tiens-moi au jus. Enfermez-vous et baissez-vous! Allez, barrez-vous de mon chemin! Avis au personnel et aux clients de l'Elmo Plaza. Une alerte de sécurité. Si vous êtes dans votre chambre, verrouillez la porte et n'approchez pas des fenêtres. Ok. Si vous êtes dans un lieu public, quittez immédiatement l'enceinte de l'hôtel. Pas de panique, la police est en route. Merci pour votre séjour. Merci pour votre séjour. Toi, t'es pas gentil, toi, non? Non. Attention, il y a un paquet de civils dans le coin. Je sais. Va dire ça aux connards qui tirent dans tous les sens. Là-bas! Où ça, là-bas? Ah bah ouais, mais c'est des connards. T'as eu l'idée de mettre 16 balles dans un chargeur qui part en moins d'une demi-seconde aussi, mais... Sans déconner, les gars. Alors, rouge veut pas dire mort. Rouge veut juste dire tir critique. Comme là, vous voyez, j'ai mis un rouge, mais il est pas mort. Léo, reviens ici, Léo! Bon, j'ai trouvé la salle de surveillance. Continue à avancer et t'arriveras dans le hall. Léo est là-bas. Ok, je m'en occupe. Je l'ai repéré, Nick. Il est au premier, au-dessus du hall. Il se déplace? Il est dans un des bureaux. Oh, merde! Nick, il y a d'autres types qui se dirigent vers le hall. Monte à l'étage, mais évite de te faire voir. On bouge plus! Police! Ouais, je fais gaffe. De quoi? Dispersez-vous et trouvez Léo. Merde, qu'est-ce... Évidemment, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, ben on va... On va tuer que les gens importants. Ah. Ok. Ah. Okay, c'est une boîte de munitions. Bon, j'ai toujours du mal à... Ok. Êtes-vous important, messieurs? Non. Vous n'êtes pas important. Ah oui, mais c'est vrai. C'est qui ce mec? Barrez-vous de là! Allez! Je le vois! Quoi? Comment ça tu me vois, espèce de wallhacker? Bon allez, faut que tu me perdes de vue maintenant. Putain! Ok, ce truc, oh, des empreintes. Oh non, je l'ai. Ok. Attends. Ok, ok. Putain. Allez. Il m'a perdu. On va recharger les armes tranquillement et on va aller l'arrêter. Hmm, c'est vrai que c'est ça le problème aussi quand on fait des quand on fait du bruit, c'est qu'en fait après ils savent où on est à peu près. Est-ce que je peux? Ah oui, je peux. Les mains en l'air! Arrête-toi de suite! Et où tu as un Le suspect a été arrêté! Bien reçu, équipe 13. Non, c'est un Mac 10. Putain, c'est que des Mac 10. Deux nouveaux pistolets mitrailleurs? Yes!
c'est là ? Tu sais ? Oh. Pour quelqu'un qui n'avait jamais mouchardé, t'es une vraie pipelette ! Hey ! Kai ! Je veux plus entendre un mot au sujet de ce signe ! Arrête ! Je veux pas le tuer ! Scandale ! Ça va mourir ! Kai ! Mais putain ! On a la moitié de la racaille de Miami qui nous tire dessus, et toi tu dérouilles Léo. Tu joues à quoi, là ? Ouais, tu fais quoi ? Ça va poser problème. Y a plein de trafiquants crevés dans cet hôtel, donc on a déjà un problème sur les bras. Léo a besoin de protection. Alors on peut y aller. Il est pas en état de marcher, tu sais. Alors aide-le, toi, putain ! Hé ! C'est toi qui l'as mis dans cet état, pas moi. Allez voir dans les bureaux à l'étage. Putain. Allez, on y va. Je vous suis. Je vais où vous voulez. C'est ça sa fameuse protection, à dose ? Léo, c'est qui ce type ? Tu l'interrogeras plus tard, Mentosa. On se casse, allez ! Hé ! Inspecteur ! Prends-le. Chut. Capitaine Dose, Léo est avec nous. On va tenter de rejoindre la porte de devant. Mais ça va, il marche tout seul. J'arrive en hélico. Je vais vérifier. Léo, il est en liberté. Allez. Merde, ça marche pas à travers les... Lui, il va falloir arrêter lui aussi. Ok. Déployez-vous ! Arrête-toi tout de suite. Bah ouais, c'était ma cible. Oh, t'as un beau fusil à pompe, je le veux. Et c'est un vrai, c'est pas un stakeout. Oui, c'est pas un stakeout. Le magnum. Tuez-le. Paf. Et paf. Et paf. Ah là là. Ça, c'est un vrai popon, ça. Arrêtez de tenir comme des gangsters, ça sert à rien, vous pouvez pas viser comme ça. Hello. Alors je veux les pistolets mitrailleurs, c'est quoi les nouveaux pistolets mitrailleurs ? Cette bande de menteurs ? Ça doit être des armes lourdes, pistolets mitrailleurs, mais oui, mais non ! Oh mais non ! Rien à foutre, je garde le magnum. Qu'est-ce que tu veux, toi, tu sors ! Toi aussi, tu sors. Ok. Arrêtez-le ! Ah ouais, on veut m'arrêter, c'est ça ? On veut m'arrêter. C'est moi qui vous arrête ! C'est moi ! On le fait monter dans le 4x4. Hop ! Tu sais conduire ce truc ? Léo est à bord, fonce ! Quand je pense que t'as dit que ma dernière mission était un vrai merdier... Allez, roule ! On tient Léo, où est-ce qu'on le conduit ? Ça chauffe pas mal ici, chef. On arrive par la route surélevée, on est en tout terrain. Pas moyen de nous rater. Ok, ça marche. On soit sur la route, on nous met. Moi, je suis en rogne. Bon, on va où alors ? Il nous retrouve de l'autre côté du pont. Ah ouais ? Ouais, non. Accroche-toi ! C'est Dose. Dans un hélicoptère. Léo a plus d'importance que tu l'imagines. Suis les deux. Attention ! Je suis sûr qu'il y a un défi qu'on ne peut pas toucher les bagnoles là. Allez, Mendoza ! Fais le tour ! Fonce dans ça ! Arrête ! Je suis pas trop fort. Non ! Putain. Tout le monde va bien ! Ne t'arrête pas ! Bon ben, s'il y a un succès, je l'aurais jamais eu. Tu veux quoi, toi ? Dégage ! Eh merde, accélère en fond ! À la foule, je vous défonce ! Voilà Dose ! Y avait un truc bloqué sous la bagnole, ça tournait à droite tout seul. Mais descend correctement ! Inspecteur, vous savez, j'ai appris deux choses aujourd'hui. D'une, vous êtes des as de l'impro. De deux, vous êtes pas foutu de rester discret. Ces enfoirés savaient où se trouvait Léo, chef. L'un de vous deux veut bien me raconter ce qui lui est arrivé. Bah, ça secouait pas mal dans le camion, capitaine. Léo n'avait pas mis sa ceinture. Ça doit être ça. Allez, relevez-le. Bah oui, ça doit être ça. Léo était déçu de pas vous rencontrer en personne, chef. Mais j'ai l'impression qu'il faut le mettre en détention préventive. C'est ce que je conseillerais aussi. Et vous, inspecteur, hein ? Vous êtes sûr que Léo a été blessé pendant le trajet ? Quand on vous posera la question, c'est ça que vous répondrez ? Oui, chef. C'est ce que je dirais. Bien. Je vais l'emmener dans un endroit plus discret.
Et vous deux, disposez. C'était quoi ce bordel, là? Entre flics, on se couvre, c'est comme ça. Il veut juste qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Oui, mais laquelle, au juste? Une qui nous aide à comprendre qui a voulu nous baiser aujourd'hui. Non, les termes utilisés. Ok, bon, mais... Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager ou vous abonner si vous avez kiffé, ça ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Battlefield Hardline. Allez, à plus tout le monde.